Colors weave into a spire of flame. Distant sparks call to a past still unnamed. Bear this torch against the cold of the night. Set your soul and reawaken the undying light. Eh bien, salut tout le monde, c'est Paradox pour un début de Let's Play un petit peu spécial, parce que vous l'avez remarqué, on n'est pas en vraiment le début de Let's Play. Du moment, bonjour. Normalement, il n'y a pas d'adresse, attendez, je vérifie, il n'y a pas d'adresse. Ok, donc on se retrouve pour une petite vidéo, enfin pour un petit début de Let's Play un petit peu spécial. C'est-à-dire que je vais ouvrir ce carton et vous allez voir tout de suite de quoi il s'agit. Donc là, messieurs. Horizon Forbidden West, vous voyez presque pas. Bon, attends, je suis pas trop touché. J'ai pas envie de déglinguer le setup pour ça. Horizon Forbidden West. Donc, on a la. On a la coque. On a tout ce qu'il faut. Donc, je vous propose qu'on ouvre ça. Sans plus tarder. On peut ouvrir du coup cette face-là. Avec un magnifique mammouth éléphant. On ne sait pas trop. On verra quand on découvrira le jeu. Ok, et donc du coup ça se trouve que comme ça. Ok. Ce que je vais faire, c'est on va ouvrir le côté également. On pourra éventuellement pousser. Ça va être pas mal. Donc voilà, pour ceux qui n'ont pas suivi, du coup oui, le jeu est déjà sorti au moment où cette vidéo sort. Il est déjà sorti depuis un petit moment. Il y a absolument tout ce qu'on a. Dans cette édition collector, attendez, par contre, il n'y a pas l'enlever. Okay. Bon, on a... j'ai sorti la boîte, du coup, je vais vous faire montrer ce que je vous disais, le dos. Du coup, hop, voilà, attendez, voilà, donc, hop, c'est dans le sens, montez. Du coup, voilà, alors, ici, on peut voir qu'on a la statue du méca éléphant, je sais pas trop, avec une petite figurine, je sais pas si vous verrez, d'Aloy. On a le jeu en édition numérique. Ça, c'est un peu dommage, mais bon. Pas grave. On a un steelbook. On a le steelbook. On a également. Donc, on a la figurine. On a le. Donc, le artbook. Le. On a l'air d'avoir un livre. Je sais pas trop ce que c'est. On a bien évidemment l'édition PS4 et PS5 dedans. On a deux tenues pour Aloy. Donc, je vais voir si je peux pas vous les faire montrer. Ça rendra pas bien, mais bon. Vous avez compris, on a deux tenues. Donc, on a une tenue qui s'appelle la tenue d'élite et arc court de Karja. Et on a la fourrure de Noir. Horizon Forbidden West. Qui est marqué dessus avec de magnifiques dessins. Voilà, bon, il y a un fond, enfin, il y a un petit filtre fond vert sur la cam, c'est pour ça qu'il y a quelques petits bugs, mais c'est pas trop gênant. Ok, on a fait le temps. Oh shit. Oh mon dieu, vous voyez pas les balles. Ok, je vais l'approcher. Oh mon dieu. Okay. Alors, déjà dans la boîte, on avait ceci. On avait un petit bouquin qui est globalement le montage de figurines. Ok. Ok. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on voit ça tout de suite. Donc, pour le moment. La figurine ressemble à ça. Vous voyez pas. Elle ressemble à ça. Je vous propose que on la monte. Donc c'est ce qu'on va faire tout de suite. Ça va bien. Voilà. Moi, vous verrez un petit peu ce qui se passe. Ok. Du coup, hop, on va enlever la couche. Et on obtient du coup
Ok, on va prendre la première grosse partie. Qui est celle-là. Oh mon dieu. Ok, et donc. Ok, ouais, j'ai pas trop touché. Pour le moment, c'est vrai que ça ne ressemble pas à grand chose. J'ai une notice, d'installation. Donc, je vais monter tout ça. Et on se retrouve juste après. C'est parti. Extrêmement fragile, c'est monté, donc voilà. Et donc, a priori, on est à l'œil juste devant, donc c'est extrêmement fragile. Je sais même pas si ça va pouvoir tenir. C'est pas non plus la figurine. Du coup, voilà la figurine pour ceux qui se demanderaient. Bon, honnêtement, plutôt une assez bonne et grosse figurine. Seul truc qui est de la chute, c'est dommage, et je pense que vous le verrez mieux si je de votre côté, peut-être même que ça va tomber, c'est les deux pattes là, ces deux là, celle-ci et celle-ci qui ne tiennent absolument pas. Franchement, ça tient par la magie du Saint-Esprit. Ouais, pour le coup là, je suis vraiment pas très très content de ça, mais bon, c'est pas grave, on fait avec. Ok, donc on a vu une partie de ce qu'il y avait dans là-dedans. Mais on n'a pas fini, tu vois, il y a toujours ça, où il y a quelques petits trucs. Au final, je pense que je vais peut-être en faire une vidéo dédiée, en plus d'épisodes. Donc on a ici une petite trappe avec tout le reste, a priori. Wow, il y a plein de choses. On a ici, on va vite l'abîmer surtout. Il est beau. Le Steelbook. Et à l'arrière. Voilà. Dedans, bon. On s'en doute, il n'y a pas le CD. Ok. Donc j'ai le contenu, j'ai le jeu là. Ok. Ok. Donc voilà. Oh, à l'intérieur, c'est super beau. Tu vois dans le... Ok. Donc là, j'ai plein de codes, donc je ne vais pas vous les faire montrer. Mais donc voilà. À l'intérieur, je sais pas si vous avez vu, mais c'est vraiment super beau. Mais je vais vous enlever. Voilà, si je fais ça, voilà, vous avez pu les effets, le filtre fond vert. Voilà. À l'intérieur, c'est vraiment super stylé. Par rapport au l'éléphant. Enfin, pour moi, c'est un éléphant. Je l'ai mis là. J'ai déplacé Ellie que j'ai mis là parce que je vais le mettre en dessous mais il passe pas. Bon du coup comme je suis tout le temps devant, je sais pas si vous voulez. Oh, vous l'apercevrez peut-être. Ok, on a également dans franchement j'ai peut-être déçu qu'il n'y ait pas le CD, mais bon, je m'y attendais honnêtement, c'est de plus en plus le cas. Et donc, hop. Je vérifie que normalement il n'y a plus rien. Et on a également ceci qui est, je ne sais pas, qu'est-ce que ça peut être?
Ah mais c'est la boucle. Oh, oh mon dieu. Oh mon dieu. Bon, je le fais être vraiment vite fait. Wouah, c'est beau. Mon dieu, oh, regardez-moi ça. Oh là là. Mon dieu, je sais pas à quoi ça correspond, mais qu'est-ce que c'est beau. Oh là là. C'est magnifique. Ok, bah franchement, j'en suis très très très. Je vais vérifier qui est bien. Bon bah voilà. Je sais pas si ça sortira sur une vidéo. Je pense que vous savez quoi, ça sortira sur une vidéo à part finalement. Parce que mine de rien, c'était quand même bien bien long. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, que. Je pense que c'est quoi. Voilà, je l'ai calé avec mes livres à moi. Oh, vous le voyez. Vous le voyez, il est calé là-bas. Franchement. Franchement. Édition collector, vraiment super classe. Bon, est-ce que ça vaut vraiment le prix? Encore une fois, je n'en sais rien. En vrai, vu la qualité de la figurine, je pense. Après, c'est vrai que, justement, parlons de la figurine. Elle est stylée. Je ne vais pas vous mentir, elle est stylée. Encore une fois, moi, je vais vous dire clairement que je serais dommage. C'est les deux petites cornes, c'est les deux petites dépenses. Qui a sur les côtés, vraiment, ces deux-là qui ne tiennent malheureusement pas des masses, bien que je viens de taper dedans et ça tient. Donc bon, on verra. J'espère en tout cas, franchement et sincèrement, les amis, que cette vidéo Horizon Forbidden West vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous très bientôt pour le let's play, peut-être même tout de suite. Normal, enfin, au moment où sort cette vidéo. Merci à tous. Le premier épisode sort à 17h30, bien évidemment. Et après, on va enchaîner deux épisodes, peut-être pour la première semaine, peut-être les week-ends. Je pense qu'on va partir sur deux épisodes demain. Un épisode à 17h30 aujourd'hui, deux épisodes demain. Et après, on va partir sur le même rythme que Legend Arceus, à savoir un épisode par jour. Sauf le week-end où vous en avez deux. Allez, merci à tous. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche pour être bien informé par notification dès qu'une vidéo sort. Vous pouvez également partager la chaîne des vidéos à vos amis pour que ceux-ci puissent me découvrir. Merci à tous ceux qui le feront. C'était Para. Bye bye tout le monde. Salut tout le monde. Allez, bye bye tout le monde.